voici l'humeur d'Agnès Hurstel. Ça va, ça vous plaît le congé mat? Bah c'est ça, il y a 70 millions de Français, que dis-je, 3 milliards d'êtres humains assignés à résidence en pyjama, des cernes jusque-là qui ne peuvent plus blairer l'autre. C'est ça, vous êtes bien en congé maternité. Sympa! Si vous ajoutez à ça un périnée un peu en galère, non, une couche ultra absorbante, une odeur lécaillée et des émotions incontrôlées, c'est ça, vous êtes en postpartum. Sympa! Et si vous ajoutez à tout ça un tire-lait qui fait à vos nichons toutes les 3 heures, vous êtes dans Petit Paysan. Non, je déconne, vous êtes mère. Trop sympa! Alors attention, si vous avez tous ces symptômes, mais sans le bébé qui va avec, consultez. Enfin, téléconsultez. Aïe. Un psy, aïe, un endocrino, un veto, ce que vous voulez, mais consultez. Et tout à coup, je me dis, merde, si ça se trouve tout ça, c'est de ma faute, parce que j'ai tellement prié depuis 3 mois pour que quelqu'un me relaie dans ce congé parental infini, moi qui voulais retravailler, faire du sport, sortir, et là, bam, le monde entier en confifi. Franchement, pardon, pardon. Et j'en place une ce matin pour ma sœur et mes copines qui ont 3 enfants, un métier, un mari, un syndrome prémenstruel et qui sont encore en vie, et je leur dis bravo. Perso, je me suis fait intuber, déstériler dans tous les orifices, faut pas déconner. Et puis, une pensée solidaire ce matin pour tous les gens confinés en couple, qui en ce début de 5e semaine, eh bien, se haïssent, tout simplement. Voilà, tenez bon, hein, on accueille cette longue journée qui démarre. On gagne du temps, on change de pièce quand l'autre rentre, on invente des réunions Zoom, on prend des douches un petit peu plus longues. Voilà, moi c'est ce que je fais, pendant lesquelles on fait semblant de ne pas entendre les larmes du bébé, ni les larmes du mari, ni celles du chat. Et voilà. Et non, vous n'êtes pas obligé d'apprendre pendant 27 jours à faire des cookies, à faire votre propre pain, à faire du pilates ou à lire Proust. Vous pouvez aussi attendre docilement, confit, dans le vin rouge et la mauvaise humeur, que ce confinement nous passe dessus comme un tracteur. Et puis, je pense enfin à toutes celles qui sont enceintes en ce moment et je me dis, tu te rends compte, les pauvres, quand le confinement il va finir, elles vont enchaîner avec un vrai congé mat. Ouais. Et je voudrais leur rappeler que finalement, le confinement, c'est pas si mal, car c'est un congé mat, mais sans les hémorroïdes. Bonne semaine. Oh, écoute.